En 2022, je veux créer ma boîte de prod, ouvrir une chaîne YouTube, publier des vidéos sur Instagram, faire des TikTok, vendre mes faire des vidéos de voyage, créer des clips. J'avoue que vu comme ça, ça paraît un petit peu compliqué, mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te donner les petits conseils sur les étapes que tu dois mettre en place afin d'atteindre tes objectifs. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, une vidéo qui sort un petit peu du spectre que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais qui est tout autant important, voire même plus d'ailleurs. On va parler de comment se fixer ses objectifs. Alors, je dis pas ça en mode résolution de bonne année, je vais aller pousser de la fonte à la salle pendant 15 jours et après je retourne bouffer mes buenos là sur le canapé, non? On va être un peu plus sérieux. Mais plutôt des vrais objectifs qui ont poussé votre projet, votre vie pro, voire même votre passion à un niveau... Là. Donc je vais vous partager des petites techniques toutes simples à mettre en application pour fixer vos objectifs à vous. Et à la fin, je vous donnerai mes objectifs sur cette année 2022, histoire de partager ça ensemble. Et on se refera du coup une vidéo un petit peu bilan dans ce style-là pour analyser ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché. Et on fera ça à la fin de l'année. Alors, avant toute chose, je pense que vous le savez déjà, mais il y a un réel intérêt à vous fixer des objectifs. Le premier, c'est que ça va vous donner une feuille de route à suivre. Parce que là, si vous me dites que votre objectif en 2022, c'est de sortir 20 vidéos, comme ça, ça peut faire un peu peur parce qu'on ne sait pas du tout par quoi commencer. C'est ça qui est intéressant avec le fait de se fixer des objectifs, c'est qu'en fonction de votre but sur l'année, eh ben, ça va découler sur des étapes que vous allez suivre et qui sont beaucoup plus faciles et plus atteignables. Par exemple, si votre objectif en 2022, c'est de sortir 20 vidéos, ça veut dire 20 vidéos sur 12 mois, donc en gros 2 vidéos par mois, donc une toutes les 2 semaines. Avec cet objectif d'une vidéo toutes les 2 semaines, vous savez à peu près qu'en étape, vous avez un jour de préparation, un jour de tournage et on va dire par exemple un jour de montage. Donc vous savez que le jeudi par exemple vous allez préparer votre vidéo, le samedi vous allez tourner ce que vous voulez filmer et du coup la semaine prochaine, un des jours, et ben, vous allez faire le montage. Ça vous permet d'être organisé et d'avoir une feuille de route simple à suivre qui vous permet de vous rapprocher petit à petit de votre objectif final qui est de faire les 20 vidéos. En fait c'est un peu tout con mais c'est comme si votre objectif final c'est une espèce d'énorme montagne et vous essayez juste de vous fixer les petits paliers petit à petit qui vous semblent accessibles et ça vous évite en fait d'avoir la grosse montagne à surmonter d'un coup et au contraire de prendre marche par marche. Deuxième intérêt à se fixer des objectifs et donc des étapes à suivre, c'est que l'humain est un être, on va dire peut-être primate et finalement plutôt simple. En fait, on a toujours eu une espèce de satisfaction à remplir des tâches simples qui nous permettent d'avancer. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais si jamais vous faites des to-do list et vous avez 4-5 actions à faire dans votre journée, une fois que vous avez coché toute cette to-do list et toutes les actions que vous devez faire, et bien vous avez un petit sentiment de satisfaction et ça, honnêtement, c'est, enfin, tu vois, c'est humain quoi. Et c'est vrai, on est un peu obligé d'avoir un cadre parce que si demain on se lève et qu'on sait pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui pour développer notre projet, et ben forcément à la fin de la journée on va se retrouver à pas trop savoir si on a réellement fait avancer notre objectif et donc forcément ça va nous frustrer parce qu'on aura l'impression de ne pas avoir fait grand chose. Alors que quand tu as une feuille de route, mon objectif c'est par exemple de faire de la photo de rue, donc ce soir je vais prendre mon appareil pendant 2 heures et je dois faire je sais pas 10 photos d'architecture, 5 photos de portrait et on va dire 5 photos de nature. Là, on a des étapes claires et précises. Et quand à la fin de la journée, on a coché tout ce qu'on devait faire sur notre to-do list, et ben on a un sentiment de satisfaction et c'est normal. On a été utile et efficace pour atteindre notre objectif final. Maintenant qu'on comprend l'intérêt de se fixer des objectifs, il va falloir trouver lesquels se fixer. Et ça, c'est pas facile de savoir ce qu'on veut en fait. On a tous des petits projets qu'on aimerait mettre en place, mais qu'on sait pas vraiment lesquels choisir ni comment faire. Première chose, c'est de choisir une idée qui nous motive, qui va vraiment nous animer. La question que je vous conseille de vous poser, c'est imaginez vous êtes en fin 2022, qu'est-ce qui ferait que vous vous dites « Ah ouais, 2022, j'ai vraiment réussi mon année ». En fait, cette question-là, ça va vous permettre de réfléchir à ce que vous avez réellement envie de faire et surtout de faire quelque chose qui vous rendrait fier en fait. Donc cette idée-là, il faut que ça soit assez large mais que ça reste quand même atteignable. Allez pas me dire « je veux devenir président cette année, je le sens bien, là c'est un peu le bordel en ce moment ». Mais ça peut être de lancer votre chaîne YouTube, de créer votre boîte de prod, de vous lancer dans la photo de portrait, de faire une vidéo de voyage ultime. Bref, quelque chose qui vous fait rêver et que vous aimeriez réellement faire. Une fois que vous avez cette idée, c'est là où on va affiner cet objectif pour en sortir plusieurs objectifs quantifiables. Par exemple, un objectif en 2022 serait de sortir une chaîne YouTube qui marche plutôt bien. Donc ça, c'est l'idée générale. Donc l'objectif quantifiable derrière ça, ça va être de créer par exemple 52 vidéos, donc une par semaine. Un autre exemple, ça pourrait être par exemple de vous lancer de manière professionnelle dans la photo de portrait. Donc là, mon objectif quantifiable, ça pourrait être de faire, je sais pas, peut-être 12 contrats rémunérés sur l'année, donc soit un par mois. En fait, il faut que ça soit un peu comme une pyramide avec tout en haut votre objectif final, votre idée un peu globale, et en dessous un escalier avec des sous-objectifs. Par exemple, on reprend l'exemple de créer sa chaîne YouTube. Mon objectif donc c'est de sortir 52 vidéos, soit une par semaine.
Donc mon sous-objectif, c'est de trouver une idée de vidéo par semaine. Si on descend encore l'escalier, c'est de réfléchir pendant une heure tous les lundis par exemple pour trouver une idée de vidéo, etc. En fait, il faut toujours que vous posiez la question comment faire pour atteindre l'objectif qui est au-dessus. Je veux vendre des photos portraits, comment je fais? Il me faut des clients, comment je fais pour avoir des clients? Il me faut un portfolio. Comment je fais pour avoir un portfolio? Il faut que je fasse des photos gratuites. Comment je fais pour avoir des photos gratuites? Ben, je dois contacter des gens sur Instagram ou que je demande à des potes pour pouvoir faire des photos. En fait, vous allez prendre marche par marche votre escalier et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous rapprocher de votre objectif final. Ce qui est hyper important avec ces objectifs, c'est que la réussite de celui-ci ne doit dépendre que de vous et de vous seul. Dans le sens où si jamais votre objectif, c'est d'ouvrir votre chaîne YouTube et d'atteindre les 1000 abonnés, ben, ça dépend pas que de vous d'obtenir 1000 abonnés. Il y a aussi l'algorithme YouTube, la société, les actus qui vont venir ajouter une inconnue dans votre objectif. Alors que si votre objectif c'est de sortir 20 vidéos sur un thème précis, et bah là ça dépend que de vous. C'est important de se fixer des objectifs que vous maîtrisez et avoir un nombre d'abonnés, ça dépend pas que de vous. Deuxième chose aussi, c'est important que vos objectifs soient ambitieux mais aussi atteignables, mais surtout qu'ils soient quantifiables. Dire que mon objectif c'est de développer Instagram en 2022, ça veut rien dire. Par contre, publier 3 posts par semaine, publier une story par jour et sortir un reels par mois, ça, c'est des objectifs quantifiables. On va pouvoir savoir à la fin du mois si oui, vous l'avez atteint ou non, vous ne l'avez pas atteint et si non, pourquoi. Mais fixez-vous toujours des objectifs avec un nombre, une date ou même un élément qui vous permet de savoir si à la fin, vous avez atteint ou non votre objectif. Alors après, se fixer des objectifs sur l'année, je trouve ça un peu long. Parce que entre-temps, vous allez peut-être avoir changé d'envie, vous allez peut-être avoir moins ou plus de temps ou simplement vos objectifs n'étaient pas très très bien définis. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des plans à 90 jours. C'est une méthode qui est assez répandue en productivité. Car du coup, ça vous permet de pivoter tous les 3 mois si jamais vous avez besoin et surtout, ça vous permet de tester plusieurs projets. En 3 mois, vous avez assez de temps pour savoir si ce projet-là vous plaît ou pas. Donc ça, déjà, c'est important. Et deuxième chose, ça va vous permettre aussi de savoir si ça plaît à votre audience. Et ça aussi, c'est limite primordial. L'important, c'est de rester constant dans vos objectifs, pas faire ça à fond pendant 2 semaines et après, je vois ce qui se passe. C'est pour ça que le plan à 90 jours, c'est pour moi pépite. Après, ça vous empêche pas du tout d'avoir, on va dire, un objectif global sur l'année, mais au moins de séquencer ça en objectif de 90 jours, et ça vous permet un peu de tester plusieurs choses. En tout cas, il y a plein de vidéos sur le plan à 90 jours que je vous laisse aller regarder sur YouTube si jamais ça vous intéresse. En fait, la formulation de tous ces objectifs et de l'escalier va vous donner une to-do list que vous allez suivre chaque jour. Une to-do list, c'est des tâches toutes simples à réaliser que vous allez noter et qui vont permettre de vous rapprocher petit à petit de votre objectif final. Par exemple, si on reprend mon escalier sur l'objectif de vendre des photos portraits, un exemple dans ma to-do list d'aujourd'hui serait d'envoyer 5 messages sur Instagram à des personnes pour faire des photos portraits d'eux et dans le but de créer mon portfolio. Un autre par exemple serait de trouver 10 photos qui me plaisent et que j'aimerais bien du coup reproduire et mettre ça du coup dans un dossier. Encore une fois, il faut que ça soit quantifiable. Trouver de l'inspiration pour des photos, c'est pas la même chose que trouver 10 photos qui me plaisent et que j'aimerais bien reproduire. Encore une fois, le dernier est quantifiable, ça veut dire qu'à la fin de la journée, vous allez savoir si vous avez atteint votre objectif ou pas. Pour moi, faire une to-do list, c'est la meilleure méthode pour avancer sur votre projet et en plus, vous allez avoir la satisfaction de cocher les cases que vous avez remplies et ça, je vous avoue que moi perso, à la fin de la journée, c'est un petit kiff. D'ailleurs, et ça va de soi, mais il est primordial d'avoir vos objectifs et votre to-do list par écrit. Que ce soit à la main, écrit sur une feuille de papier ou alors sur votre ordinateur, vous devez toujours avoir votre plan de route à proximité de vous pour ne jamais lâcher de vue votre objectif final. L'app que je vous recommande le plus pour tout ce qui va être organisation, productivité, to-do list, c'est Notion. C'est le seul outil que j'utilise depuis maintenant 2 ans et je peux que vous le recommander. Donc ça, c'est mes conseils pour fixer vos objectifs. Après, gardez bien en tête que c'est ma méthode, mais il en existe plein d'autres et je suis clairement pas un as en tout ce qui va être productivité. Mais depuis que j'ai mis toutes ces méthodes en place, je vous avoue que j'ai l'impression d'être quand même pas mal plus productif. Ou en tout cas, j'ai l'impression que mon travail quotidien contribue directement à mon objectif final, qui est d'être testeur de saucissons professionnels. Donc maintenant, je vais vous partager mes objectifs pour cette année 2022. Je voulais vous parler de ça parce que déjà, c'est un double intérêt pour moi. Le premier, c'est que je trouve ça cool d'être transparent avec vous là-dessus. Et deuxième chose, c'est que je sais que si je le dis en vidéo, ça va encore plus me motiver à le réaliser et à réaliser tous mes objectifs. Donc ça me pousse encore plus un peu au cul, histoire de me dire, mec, tu l'as dit en vidéo. Maintenant, faut le faire quoi. Alors, il faut savoir que je rentre tout juste de France de manière définitive. Avant, j'étais au Canada où j'y ai vécu pendant quasiment 2 ans. Donc, il faut que je relance un peu tout mon business ici. Aussi, ça va faire quasiment un peu plus de 2 ans que je suis lancé à temps plein dans la vidéo. Donc, comme quoi se lancer pendant le Covid, ça peut marcher. Et il faut savoir aussi que je sors du statut micro-entrepreneur slash freelance et que je suis en train de créer ma boîte. Donc, ça va pas être les mêmes frais de gestion. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo.
Alors, pour 2022, j'ai plusieurs catégories d'objectifs en fonction de mes différentes activités. Mais déjà, mon objectif final, donc mon haut de ma pyramide, c'est de réaliser un chiffre d'affaires de 70 000 euros. C'est un peu plus de 20% d'augmentation sur mon chiffre d'affaires de 2021. Mais la fin d'année 2021 a vraiment été exponentielle en termes de chiffre d'affaires pour moi. Et ça, c'est grâce à YouTube et surtout à vous. Donc, bah, merci pour ça. Mais du coup, je me suis fixé un objectif plutôt ambitieux pour une première année en France, mais qui semble pour moi atteignable. Donc, dans ces 70 000 euros, ça comprend 40 000 euros d'activités liées à YouTube, donc que ça soit des formations, des vidéos sponsorisées, les liens d'affiliation, etc. Et 30 000 euros de chiffre d'affaires dans mon activité de vidéaste, de réalisateur à temps plein, donc que ça soit pour des clients ou même pour des potes. À savoir que cette année, j'ai vraiment pour objectif de passer 80% de mon temps lié à toutes mes activités sur YouTube. Vous allez voir pourquoi après, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Et 20% de réalisation de vidéos pro pour mes clients. En 2021, j'étais plutôt autour des 60 YouTube et 40 projets pro. Mais ce qui me plaît le plus, c'est de créer du contenu pour ma marque, et c'est aussi ce qui est le plus rentable sur le long terme. Donc je compte bien passer encore plus de temps à développer YouTube, ma communauté, etc. Alors évidemment, pour atteindre ces objectifs, j'ai beaucoup de sous-objectifs dans mon escalier, mais que je vais pas parler ici parce que ça serait beaucoup trop long. Mais au-delà du chiffre d'affaires à réaliser, j'ai pas mal d'objectifs liés à YouTube qui, je pense, vont vous intéresser. Alors déjà, je me suis fixé de sortir 44 vidéos, soit une par semaine pendant 10 mois. Pour le coup, je ne vais pas poster pendant les mois d'août et septembre, qui sont des mois catastrophiques en termes de statistiques sur ma chaîne. Et puis en plus, je vous avoue que ça me fait une petite pause, ça me permet un peu de prendre du recul sur ce qui s'est passé sur cette année et de préparer les objectifs et les projets qui vont venir sur l'année suivante. Donc je publierai que 44 vidéos cette année, normalement, voire peut-être plus, on sait pas. Je vais aussi beaucoup plus développer la partie Instagram, surtout la partie story, avec une story par jour. On va essayer, je suis déjà en retard, j'arrive déjà pas à atteindre cet objectif là, mais on va pousser. Bien sûr, il faut que ça soit pertinent, je vais pas commencer à vous montrer des photos de mes plats, de mon saucisson qui est finement découpé, mais je trouve ça aussi sympa de vous partager l'envers du décor, que ça soit pour les vidéos YouTube, que ça soit pour mes vidéos avec mes clients, ou même l'envers du décor de la boîte de production. D'ailleurs, si jamais vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas pour le faire, je vous mets le nom quelque part par là, ici, et ça va aller de ce côté là. Ah oui aussi, alors comme je vous parlais tout à l'heure du plan de 90 jours, et j'ai 4 projets cette année qui vont être plutôt costauds à mettre en place. Je vais essayer de développer chaque projet pendant un trimestre, comme ça tous les 3 mois ça me permet de tester un autre projet et avancer là-dessus. Et à mon avis, ça peut vous plaire, peut-être, j'espère. Le premier projet sur lequel je bosse déjà depuis quelques mois, c'est de créer une plateforme pour que vous, donc ceux qui regardent mes vidéos, mais aussi ceux qui font des vidéos chez eux, des films, etc., puissent se rencontrer, puissent échanger, mais surtout s'entraider. Alors, je vous en dis pas trop pour l'instant parce que j'ai envie de faire ça bien, mais je pense sincèrement que ça va être mon objectif annexe le plus important de l'année. Ensuite, j'aimerais lancer une, voire même peut-être 2 nouvelles formations parce que déjà la première sur le montage a vraiment bien marché. Ça vous a plu et j'ai eu vraiment de très bons retours, donc j'ai envie de continuer là-dessus. Surtout que la démarche de formation me plaît beaucoup parce que ça me permet d'aller beaucoup plus en profondeur que sur mes vidéos YouTube. Et en plus, je vois que ça vous plaît, donc c'est tout bénéf pour moi. Et je vais pas vous le cacher aussi, c'est une des sources et revenus les plus intéressantes pour moi, donc forcément, j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Troisième projet annexe cette année, c'est le recrutement d'un stagiaire, voire même d'un alternant, pour m'aider dans mes tâches quotidiennes, que ce soit pour mes projets pro ou surtout pour mes projets sur YouTube. Ça va me permettre moi d'avancer beaucoup plus vite et j'avoue que aussi j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. Alors j'en parlerai un petit peu plus sérieusement sur Insta et sur YouTube quand le moment sera venu, enfin quand je serai en phase de recrutement, mais je vous avoue que ça c'est vraiment un projet qui me hype, mais bien comme il faut quoi. Et dernier projet annexe, ça va être de développer ma liste email avec des newsletters intéressantes. Ça va être sur du contenu vidéo, des outils hyper utiles, de l'actualité en vidéo, du matos. Bref, ça va pas être une newsletter hyper relou que tu reçois tous les jours. Je pense que ça sera peut-être 1 voire 2 mails par mois grand maximum. En tout cas, si jamais ça vous intéresse de recevoir ce type de news, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est le deuxième lien qui est juste en dessous dans ma vidéo. En plus de ça, si vous inscrivez, vous avez accès à une vidéo bonus qui est plutôt sympa. Donc c'est tout bénef. Donc voilà, mes objectifs 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre objectif un peu global sur 2022 parce que je serais assez curieux et pour le coup, ça m'intéresse pas mal. Merci encore pour tout votre soutien. C'est aussi grâce à vous que j'arrive à vivre de ma passion et continuer à créer du contenu. Donc pour ça, merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. La bise.